Bonjour les amis, aujourd'hui je me trouve sur un plan d'eau de la région dijonnaise pour effectuer une pêche à l'hybrid feeder. C'est un plan d'eau avec une surface d'environ 3 hectares, 3 hectares et demi, et une profondeur qui varie entre 3 mètres et 3,50 m. Donc c'est un lieu idéal pour pouvoir pratiquer cette pêche. Donc aujourd'hui je vais me servir d'une canne de 11 pieds, je vais pêcher environ 25-30 mètres, une canne qui sera parabolique. Je vais utiliser un hybrid feeder hein, que la plupart d'entre vous connaissent, de 28 grammes, qui est largement suffisant vu la distance de pêche que je vais pratiquer. Donc voici l'hybrid feeder. Il existe en 5 tailles, en version small et large, et bientôt en 8 tailles hein, pour des pêches à plus grande distance. Deux versions d'élastique, donc une version blanche pour des poissons jusqu'à 4 à 5 kg. Et la version noire en heavy. Donc qui est particulièrement adapté à des gros poissons. Aujourd'hui j'ai décidé de pêcher avec une canne de 11 pieds. Donc je suis un amoureux de la marque Daiwa UK. Donc, je vais pêcher avec une Pro Feeder Tournament 11 pieds, hein, avec une puissance maxi de 40 grammes. Dessus j'ai mis un moulinet TDR 32 hein, qui est pour moi les meilleurs moulinets à l'heure actuelle. Donc ils ont un axe surdimensionné. Donc pour des pêches de carpe, c'est vraiment intéressant. Dessus, j'ai mis un nylon Pulse Line en 25 centièmes, qui est adéquat avec ma pêche forte d'aujourd'hui.